Terima <small> kasih telah menonton! Alors, le salaire est la somme d'argent que le capitaliste paie pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d'un travail déterminé. Alors, c'est ce une citation de Marx. C'est ce que ça m'évoque, c'est que euh, c'est daté, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, c'est pas du tout la manière dont on fait l'économie. On ne trouverait pas ce genre de phrase euh, dans les articles, dans les commentaires, etc. C'est une manière de faire de l'économie où on essaye de réfléchir de manière quasiment philosophique à euh, c'est quoi essentiellement le travail C'est quoi un système capitaliste Est-ce que c'est un bon système euh, euh, le, le, le salaire est la valeur de quoi euh, Est-ce que c'est juste etc.? Et, euh, et ces questions-là, ce sont plus du tout les questions que les économistes se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché occupe une place hégémonique dans les sciences économiques. D'Adam Smith et sa main invisible aux libéraux contemporains, tous y voient le principe central de l'économie. Fort d'un discours théologico-économique, ils en font un dieu incontestable. Pour eux, le marché a toujours raison. Moi, je viens du sud Togo et mon village est régi par une théocratie. C'est le pouvoir des prêtres, des prêtres de la forêt sacrée. Et donc, euh, ces prêtres de la forêt sacrée vous n'avez pas de rapport marchand avec eux. Ce sont des rapports liés à ce qu'on pourrait appeler des totems. Par exemple, le python, qui est une, une, une espèce de serpent, okay? le python, c'est le totem de, de, de ma tribu. Et il ne viendrait à l'idée de personne de vendre le python même à des touristes américains, qui vous donneraient des milliers de dollars pour ça. Donc, on est dans des registres où le sacré supplante tout ce qui peut être relation marchande. Les, la forêt sacrée, il ne viendrait à l'idée de personne de vendre un bout, même si vous avez affaire à quelqu'un un investisseur chinois qui vous propose des millions de francs CFA pour acheter un lopin de terre de la forêt sacrée. Et même si vous mourrez de faim, il ne vous viendrait pas l'idée de vendre un lopin de terre de la forêt sacrée. Et donc là, vous avez affaire à une société qui est hiérarchisée de telle sorte que les relations marchandes sont cantonnées à une sphère. Et la sphère de la petite économie de subsistance, où la production de maïs va permettre d'acheter un peu de riz, un peu de garie, donc un peu de manioc, etc. Mais sur les grandes choses de, de la vie, euh, le, le marché, est-ce qu'il peut induire, ne va pas jouer Lorsque des petits producteurs domestiques Assurent leur propre reproduction matérielle sur la base de leur production propre, mais dégagent un petit surplus qui est ensuite apporté au marché. Certes, nous avons la catégorie du marché, nous avons donc l'échange marchand, mais nous n'avons pas le marché au sens contemporain du terme. Le marché au sens contemporain du terme, c'est vraiment la forme d'organisation des échanges telle que la totalité des activités de production et de circulation s'y trouve saisie. Voilà. Et ça, y a une, y a une, en quelque sorte, il y a une, une différence quantitative, mais qui va produire une différence qualitative. Ça, c'est le marché, ça n'a rien de naturel, et à l'échelle de l'histoire, c'est somme toute d'apparition récente. Euh, le marché n'est pas une instance naturelle. Le marché a été créé par les États, euh, et euh, les États ont créé euh, le marché en faisant des lois... Euh, par exemple, de libéralisation du prix des grains, euh, comme l'a fait euh, Turgot en son temps, en faisant euh, euh, des, euh, des lois qui vont euh, interdire euh, l'aide aux pauvres. Ce sont en fait euh, tout un tas de législations qui ont créé le marché. Et ces législations, eh bien, euh, euh, elles sont intervenues parce que euh, euh, pour euh, toute une doctrine de cette période-là, hein, de, des Lumières, eh c'était un, un, un moyen euh, de, euh, de réaliser une certaine forme de, de liberté, c'était un moyen euh, d'émancipation. As though the market somehow existed. Il faut laisser faire le marché, comme si le marché existait en dehors d'un contrôle humain, comme s'il venait de Dieu. Mais le marché dépend du contexte historique. Le plus important, c'est la répartition des revenus et comment cela affecte le marché. Un exemple classique, après la guerre civile aux États-Unis, quand les Afro-Américains ont été libérés de l'esclavage, ils ont réclamé 16 acres et une mule pour se lancer dans la vie. Ils étaient depuis plus de 100 ans dans la servitude et voulaient une compensation. Ils n'ont pas eu 16 acres et une mule et ont subi une forte discrimination. Quand les gens parlent de cet exemple, ils disent le gouvernement n'a rien fait. Il a laissé faire le marché. Alors que ça faisait des centaines d'années qu'il contrôlait les Afro-Américains pour qu'ils restent esclaves. Eh bien, c'est un bon exemple où la servitude a été finalement prolongée par l'inaction. Laisser faire le marché, c'est laisser faire les choses que l'on désapprouve, qui sont fondamentalement inéquitables, et le faire sans justification in the 1990s bubble and another quote from our former chair of the of the federal reserve Alan greenspan he dans les années 90 allen greenspan a dit à propos de la bulle internet il y a eu une exubérance émotionnelle yes, it's a bubble in fact he had a term for it irrational exuberance un vertige Trop de joie par rapport à cette opportunité de faire beaucoup d'argent. Ce n'était pas bien. Mais quand on lui a demandé, vous, directeur de la Banque centrale américaine, le régulateur le plus puissant du monde, est-ce que vous allez faire quelque chose Il a répondu non, je ne vais rien faire parce que tout ce que je pourrais faire serait pire. Ce sont des gens intelligents, ils n'ont pas besoin que le gouvernement leur dise quoi faire, ils savent mieux que nous. En économie orthodoxe, l'idée c'est que l'État met des bâtons dans les roues. Les solutions que fournit l'État seront toujours déficientes market operate freely and that yes and Ronald Reagan Reagan a saisi cette idée en affirmant l'état n'est pas la solution l'état est le problème and that sounds good and it sounds like you know freedom ça sonne bien. On a l'impression que c'est la liberté, que la liberté humaine est plus grande si on réduit l'État, puisque l'État nous prend des impôts, impose des régulations et nous empêche d'agir librement. Si vous êtes libéral... Vous allez dire, oui, on a de meilleurs résultats parce que dans le marché, le travailleur va négocier avec le capitaliste, le capitaliste va payer le travailleur exactement ce qu'il vaut, le travailleur va s'en satisfaire, sinon s'il veut plus d'argent, il devra augmenter sa qualification et donc l'État n'a aucun rôle à jouer. La question, c'est quelles sont les instances de médiation euh, raisonnables, acceptables dans une société Pour Adam Smith, c'est le marché, parce que le marché porterait en lui un génie, c'est cette capacité euh, à mettre en face des gens qui ont des désirs totalement différents. Et c'est pour cela que... Je crois que nous sommes toujours dans cette tension entre la hiérarchie qui permet d'allouer les ressources hors prix et le marché qui permet d'allouer les ressources dans un système de prix. Traditionnellement, les économistes libéraux opposent le marché à l'État. Une analyse plus fine suggère qu'il n'y a pas de marché sans intervention de l'État. L'État aurait un rôle à jouer face au marché. Demander si l'État a un rôle à jouer face au marché, face au, c'est d'emblée poser un rapport d'extranéité de l'État et du capital ou du marché. Or, moi, je crois qu'il n'y a aucune antinomie, précisément. Euh, discuter de leur rapport, c'est dépasser l'idée qu'ils seraient dans une espèce de, de deux entités, n'est-ce pas, euh, euh, face à face. Et en réalité, moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que le marché et le capital sont coextensifs à l'État. Alors, pas à l'État en général, bien sûr, mais coextensifs à la forme historique particulière d'État dans laquelle nous vivons depuis à la louche deux, trois siècles. Et que pour cette raison même, il faut qualifier d'État bourgeois ou d'État du capital, euh, comme on voudra. Alors, coextensif, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'État est l'instituteur de l'ordre du capital et de l'ordre du marché. L'ordre capitaliste ou le système de marché n'ont aucune puissance d'auto-institution. L'État et le marché ne sont pas causa sui, Ce n'est pas le dieu de Spinoza. Donc, ils, ils, sont, euh, ils sont institués par une puissance autre qui leur est, hétérogène en première analyse. Mais qui est vraiment, qui, qui va, euh, voilà, qui qui, qui qui va opérer leur advenu sur la scène de l'histoire. Alors là, il faudrait relire euh, toute la fin du livre 1 du Capital sur l'accumulation primitive. Ça ne raconte que ça. C'est-à-dire comment le l'ordre capitaliste, pour lancer le processus d'accumulation, s'est livré à un certain nombre de coups de force inauguraux violents qui ont été ratifiés par la puissance étatique, qui a donné d'ailleurs ultérieurement force de loi à ces, à ces premières irruptions, n'est-ce pas, de, de, de la pratique capitaliste. Les économistes aiment bien traiter l'État, l'économie et le marché comme des éléments séparés. L'État affecterait le marché. Dans la pensée économique, il y aurait des politiques qui seraient bonnes et d'autres mauvaises. En fait, les deux sont enchevêtrés. L'économie dépend de l'État et dans l'économie mondiale, l'État dépend tout autant de l'économie. Donc, il y a une interaction des allers-retours qui sont essentiels à plein de niveaux. Les marchés ne peuvent pas fonctionner de manière efficace sans un soutien de l'État. La chose la plus évidente, c'est que l'État doit être là pour appliquer les contrats, la loi, l'ordre. rolle des staates ist eigentlich dass er einen ordnungsrahmen nous savons que les, libres, les marchés libres les ça n'existe pas que ça n'a jamais nie freie märkte nous avons besoin d'avoir un droit et des institutions qui protègent la propriété die contre la criminalité schützen wir haben ja gerade in europäischen geschichte immer wieder den fall gehabt dass quasi die bevölkerung cas d'action violente contre les étrangers, et donc nous avons besoin d'un État qui assure la paix civile, qui protège la propriété et garantisse les lois du marché. Sans l'État, sans ce cadre politique, sans la protection d'une situation concurrentielle dans l'économie, on ne serait pas riche aujourd'hui. Les marchés ne peuvent fonctionner que parce que l'État leur offre un cadre structurel. Dans ce cadre, l'entreprise peut se développer et assurer une production efficace. L'État crée un parapluie sous lequel toutes les activités sont protégées. Une vision peut-être plus rationnelle, c'est de reconnaître comment le marché et l'État interagissent. Parfois d'une bonne manière, parfois d'une moins bonne. Par exemple, dans notre économie capitaliste, si vous prenez une petite invention comme Internet, c'est la création à 100% du gouvernement. Je sais, Bill Gates dit qu'Internet est sorti du cerveau de jeunes qui faisaient des expériences dans leur garage. Ce n'est pas vrai. La technologie de l'Internet qui intègre, lie les ordinateurs les uns aux autres, cela vient entièrement du gouvernement. Cela a été financé par le gouvernement pendant 40 ans. On a transféré au marché une activité publique entièrement financée par le gouvernement. Les tuyaux de l'Internet au sens le plus littéral du terme, ça a d'abord été une affaire d'État. C'est l'État, c'est l'armée, c'est les grands laboratoires de la recherche publique qui ont euh, créé les bases infrastructurelles de l'Internet sans lesquelles euh, l'activité vibrionnante des start-upers en garage n'aurait rigoureusement euh, aucun sens, aucune possibilité d'exister. Donc voilà, ce, ce, ce qu'il faut saisir, c'est non pas le face-à-face -face antinomique, mais... L'intimité des rapports de l'État et de son supposé autre radical, et la manière dont ces rapports se configurent de manière variable dans le temps. Voilà. Et voilà, nous, nous sommes actuellement dans une, une certaine configuration de, de ces rapports, qu'on appelle le néolibéralisme en particulier, et, 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 et où l'on voit bien que euh, les plus grandes puissances privées du capital ne peuvent pas faire comme si l'État n'était pas là. Et, elle continue d'avoir besoin de l'État pour faire progresser leurs propres intérêts. Elle trouve d'ailleurs le plus souvent en ce moment une oreille accueillante et compréhensive. Après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme, dont les élites s'étaient compromises avec les nazis, est obligé de composer avec l'État-providence et la planification, ce qui limite le pouvoir des marchés. À la faveur de la crise des années 70, le libéralisme reprend l'avantage sous le nom de néolibéralisme, un système qui reconfigure l'État en supplétif des marchés. Le préfixe néo euh, saisit un ensemble de rapports inédits qui lient les marchés. J'ai toujours un peu de réticence hein, à utiliser cette catégorie. Bon, je, je m'en expliquerai peut-être plus tard, mais qui lie les marchés et l'État. Et précisément un rapport qui n'est pas antinomique. C'est un rapport dans lequel l'État est en quelque sorte le conservateur du marché. Là, on est au plus près, par exemple, de la doctrine ordo-libérale, qui est la variante allemande du néolibéralisme. L'ordo-libéralisme, c'est que le système de concurrence libre et non distordu euh, n'existe pas euh, par génération spontanée. Il faut non seulement l'instituer, mais il faut aussi le surveiller pour le maintenir, et pour le maintenir en particulier contre des forces endogènes qui naissent de l'intérieur du système et qui poussent à la reconcentration et à la reconstitution soit d'oligopoles, soit carrément de monopoles, ce qu'on appelle les monopoles naturels, par exemple. Je pense à l'énergie, les, 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 les transports, etc., etc. Le néolibéralisme commence le 11 septembre 1973 au Chili, à la suite d'un coup d'État contre le président marxiste. Salvador Allende. C'était le premier socialiste marxiste communiste d'Amérique latine qui était élu démocratiquement. À l'époque, un tiers du monde était communiste et on mettait en avant que ce n'était jamais via des élections démocratiques. C'était toujours violemment qu'on prenait le pouvoir. Allende a été élu en 70. En 73, il y a eu ce terrible coup d'État. Mais ce n'était pas juste un coup d'État. Ce qui s'est passé le lendemain est plus important, quand le général Pinochet a voulu mettre en place un nouvel ordre économique. Ils les Chicago Boys. Il a appelé les Chicago Boys et avec le professeur Milton Friedman, ils ont mis en place le néolibéralisme. Cela lui a donné une légitimité. Quand Thatcher est arrivé au pouvoir en 1979 au Royaume-Uni, Reagan en 80 aux États-Unis, il y avait déjà quelque chose d'installé, un système capitaliste beaucoup plus agressif. That is much more aggressively pro le programme politique du néolibéralisme, et ça, euh, Michel Foucault le dit avec une euh, clarté euh, très forte, ce qui n'est pas toujours le cas de tout ce qu'il dit, c'est de détruire le marxisme, c'est de détruire le communisme. Et par là... Euh, ce qu'il veut dire, c'est que c'est de détruire une vision du monde qui serait euh, une vision qu'il existerait des classes. Qu'il existerait une classe des travailleurs et une classe des capitalistes ou des producteurs. En transformant euh, tout consommateur en entrepreneur, en favorisant une forme des entreprises qui, euh, qui est vraiment diminuée à sa composante euh, presque juridique, euh, elle passe des contrats, eh bien, on en vient à euh, créer un flou entre ce qui est de l'ordre du, du travailleur et ce qui est de l'ordre euh, de l'entreprise, du producteur. Le néolibéralisme n'a réussi que lorsque les partis de gauche, le Parti travailliste en Angleterre, les démocrates aux États-Unis, ont été conquis par des forces pro-capitalistes. Clinton était contrôlé par Wall Street, Blair par les capitalistes anglais, et donc ça a fait basculer les relations entre l'État et le marché. Le pouvoir du marché est devenu plus important une fois que les partis de gauche estimaient que les capitalistes savaient ce qu'il fallait faire. On ne pouvait plus les remettre en cause. Alors vous L'émergence de cette variante du capitalisme, le néolibéralisme, qui est beaucoup plus agressif. Le néolibéralisme s'en prend à l'homme, il s'en prend à l'homme d'une manière inédite, c'est-à-dire il reconfigure un type d'homme. Bon, évidemment, on peut dire que tout système social configure son type humain. Je m'excuse de faire un détour, mais on s'est toujours soit beaucoup moqué, soit beaucoup terrorisé de ce que le système so soviétique euh, avait affiché sa vocation à engendrer un homme nouveau. Et on disait, mais c'est monstrueux, un truc pareil. Ils veulent s'en prendre à l'homme, à l'humanité de l'homme. Mais le capitalisme n'a jamais fait autre chose. Le capitalisme crée son type humain. Il crée le consommateur. Il crée le petit propriétaire pavillonnaire, etc. etc. Et ça, c'est un type humain. Il n'y avait donc pas de raison de lever les bras au ciel quand euh, les Soviétiques disaient qu'ils allaient produire un homme nouveau. De fait, ils allaient le faire. Mais exactement de la même manière que le capitalisme, lui aussi, et le néolibéralisme aussi, produit son type humain. Et lui, il a en, il a en vue un type humain très particulier, alors qu'il qu a bien des raisons de trouver atroce, hein, qui est le petit entrepreneur de lui-même, l'entrepreneur de sa propre vie. Alors ça, ça, ça passe par toute une série de catégories. Plus ou moins ésotérique ou exotérique, par exemple la théorie du capital humain des économistes est vraiment la, la, le, le, le discours qui s'ignore ou qui ne s'ignore pas, j'en sais rien, de, cette, voilà, de ce nouveau type humain qui est promu, promu par le, le néolibéralisme, un porteur de capital fait d'un certain nombre d'aptitudes destinées à être euh, contracté, enrichi, développé, euh, etc., etc. Voilà l'entrepreneuriat général de soi. Les néolibéraux, eux, ils disent, le marché n'existe pas en tant que tel, mais le marché est une bonne chose en tant que tel. Donc c'est là que, que cette théologie, si on veut, elle est, elle, elle est un peu bizarre. On dit, il y a cet outil qui est une bonne chose en soi, qui va permettre de créer une meilleure société, euh, mais il n'existe pas. Et donc là, on fait venir l'État, et l'État a, dans la vision néolibérale, un rôle qui est celui de créer, de développer et d'étendre le marché. donc l'état agit pour le compte du marché et ce marché va légitimer l'état. Légitimer dans le discours à boulets rouges contre l'état, etc., etc., les dominants du néolibéralisme font soigneusement leur tri aussi. alors, soigneusement, Manière de parler. En gros, on ne veut plus, on compte sur l'État, qui d'ailleurs confirme ici, même si c'est sur un mode négatif, qu'il est la puissance institutrice de dernier sort. On compte sur l'État pour refaire les institutions à notre main, refaire le code du travail, euh, refaire les conditions de la concurrence marchande, refaire les conditions d'opération de la finance, en plus étendue en plus euh, en plus libre entre guillemets etc etc mais on sait bien que de l'État il va nous falloir garder un certain nombre de choses sur lesquelles on peut pas faire l'impasse oh, bah. la force publique hein euh, et, et, puis, et, et puis on sait que c'est l'État qui aussi euh, a la main sur certaines grandes infrastructures ou sur certains grands marchés d'équipement donc pour dire les choses de manière un peu caricaturale, euh, Serge Dassault ou feu Serge Dassault pouvait être à la fois le propriétaire du Figaro qui fait tirer à boulets rouges idéologiquement sur l'État, sa présence envahissante dans l'économie et ses tendances à l'obésité, et d'autre part entretenir les meilleurs rapports du monde avec tous les individus concrets qui occupaient concrètement les sommets de l'État. Parce qu'il faut bien continuer à faire des affaires, et que sans eux, il ne peut pas les faire. Voilà, ce sont des rapports qui sont marqués de rationalité, d'irrationalité, de duplicité, de bêtises crasses parfois. Ça fait des configurations complexes, mais intéressantes. Dans la configuration actuelle de l'économie, les crises apparaissent régulièrement comme des éruptions volcaniques qui secouent le système. Quelle que soit leur ampleur. Ces crises ne la battent pas pour autant. Au contraire, il semblerait qu'elles le renforcent. La crise financière de 2008 n'était jamais censée arriver. Depuis 30 ans, le noyau dur des économistes nous disait que des crises de l'ampleur de la Grande Dépression des années 30 ne pouvaient plus arriver. On a compris le capitalisme, on sait comment il fonctionne. Il fonctionne mieux. Plus jamais on aura des crises comme ça. Et de toute façon, la crise de 1930, c'était parce que les gouvernements avaient fait des bêtises et ce n'était pas à cause du marché. Et la crise arrive. Je dois dire qu'en 2008-2009, je pensais véritablement que les économistes mainstream allaient changer. La reine Elisabeth a écrit à une association d'économistes Mais qu'est-ce qui se passe Vous n'avez pas vu ça arriver La reine Elisabeth a posé la question. Les économistes ont dit Oui, bon, peut-être qu'on a fait des petites erreurs. Mais en gros, ils pensent toujours que le présupposé de départ est exact et ne veulent pas en démordre. Uh, and they won't really off of it. Donc oui, effectivement, cette croyance dans le bienfait du marché, elle, euh, elle dépasse le caractère euh, rationaliste, euh, scientifique, si on veut. Euh, elle est euh, clairement euh, une, une, une croyance euh, qui, est, euh, qui est quasi absolue. Le marché est vraiment euh, une fin en soi. Le marché n'a jamais tort. Hein? Même un mauvais marché sera toujours meilleur euh, qu'une bonne réglementation. Donc en fait, euh, euh, il vaut, euh, il vaut euh, encore mieux euh, favoriser le marché, même quand le marché a euh, quelques effets négatifs euh, sur l'économie et la société que de vouloir euh, remplacer le marché par de l'intervention publique directe. par contre, l'état intervient, mais l'état intervient uniquement pour permettre au marché et à la concurrence d'être les plus étendus euh, possibles. if we regulate markets, si on régule les marchés via un processus démocratique, les marchés sont de fait contrôlés par ce processus. Si on insiste sur le fait que le marché à court terme est libre, entre guillemets, le marché peut dominer la société et créer des poches de richesse excessives. Et ces poches permettent à des individus riches, à des entreprises riches, d'avoir un contrôle indu et disproportionné sur le gouvernement. Ce qui est bien évidemment une situation non démocratique. Et c'est la situation que nous connaissons de plus en plus aux États-Unis et dans d'autres pays. Au fond, Lorsque Michel Foucault parle de la gouvernementalité, c'est à dire de la façon dont est gérée la souveraineté au niveau des pouvoirs publics, eh bien aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise, parce que beaucoup d'entreprises de, sont plus puissantes qu'une majorité d'États membres de l'Organisation des, des Nations unies. Et il n'y a pas de dispositif pour le moment pour les faire rentrer dans le rang. Ça, c'est peut-être aujourd'hui un des problèmes majeurs du système de pouvoir néolibéral. Et évidemment, c'est triste que Michel Foucault ne soit plus là, puisque évidemment, lui qui a, qui a vu de façon quasiment prophétique émerger le, le courant néolibéral, serait prodigieusement intéressé par le dérèglement de ce système, à travers cette, cette mise en compétition qu'on voit tous les jours des États nationaux par les firmes multinationales qui disent bah, ⁇ Écoutez, je veux bien venir m'implanter chez vous, mais alors il faut que vous me fassiez un environnement juridique, social, hospitalier. Hein, ⁇ Et nous nous comprenons. Aujourd'hui, la seule instance politique qui soit en mesure de faire contrepoids aux entreprises ce sont des puissances impériales. Et pour le dire en bref, c'est la Chine et les États-Unis. L'Europe pourrait le faire euh, si l'Union européenne n'était pas euh, dans l'état où elle est. Mais c'est un, un, un être qui a ni tête politique ni base démocratique. Alors c'est assez mal armé pour la survie entre les deux autres grands euh, empires. Mais les États-Unis actuellement se sont dotés des outils qui leur permettent de, euh, quand leur intérêt le commande de euh, d'imposer leur volonté euh, aux grandes entreprises Le pouvoir du capital à mon avis dépasse aujourd'hui le pouvoir politique dans la mesure où le pouvoir du capital il n'est pas explicité il n'est pas visible il est dans l'ombre. C'est-à-dire que c'est peut-être la, peut la première fois dans l'histoire de l'humanité que les gens qui sont censés nous rendre compte, donc les politiques, ne sont pas les véritables maîtres du jeu. C'est-à-dire que ce qui a quand même été le, la répartition du pouvoir, dans le monde occidental du siècle dernier, c'est une forme de séparation des pouvoirs, où le pouvoir politique était censé euh, être le réceptacle de la recherche de l'intérêt général, et le pouvoir financier euh, l'émanation de l'ancien régime qu'il fallait contenir d'une manière ou d'une autre. Et là, du fait de, du passage de l'économie d'endettement à l'économie de marché financier, du fait d'une financiarisation inouïe de l'économie, on se retrouve avec le pouvoir politique qui n'a plus les moyens de sa vision. Et on arrive à cette situation très paradoxale qui est la situation contemporaine. Où on a d'un côté des dirigeants politiques qui nous disent l'État c'est comme une entreprise, Startup Nation, donc l'État sera une entreprise qu'il faut gérer comme une entreprise, avec un budget comme une entreprise, ce qui du point de vue juridique est quand même d'une grande bêtise. Et puis d'un autre côté... Euh, on nous dit les entreprises doivent se soucier de la nature, euh, de, elles, elles doivent lutter contre les inégalités, financer des hôpitaux, c'est-à-dire elles devraient se charger de ce dont les États ne se chargent plus. Donc ça, c'est plutôt les symptômes d un, d un, d un, des désordres de la globalisation que d'une pensée réfléchie sur l'articulation entre pouvoir économique et pouvoir politique. Il y a une réunion tous les ans, le premier week-end de janvier, qui réunit 12 000-15 000 économistes dans une ville américaine, où des économistes du monde entier se rassemblent. C'est une énorme show et il y a trois ou quatre grands discours d'économistes très connus. Et il y a deux ans, une économiste française extrêmement connue qui s'appelle Esther Duflo a fait un discours qui s'est littéralement « L'économiste comme plombier » dans lequel elle disait voilà, le, 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 elle défendait que le rôle de l'économiste aujourd'hui ça devait être d'étudier les tuyaux, de réparer les fuites etc. C'est une économie du développement donc c'est au lieu d'avoir des grandes théories elle défendait l'idée qu'au lieu d'avoir des grandes théories il valait mieux aller sur le terrain regarder par exemple en termes de développement au lieu d'avoir une théorie du développement comment est-ce qu'on pouvait faire pour envoyer plus d'enfants à l'école, est-ce qu'il fallait plus de vaccins est-ce qu'il fallait plus de livres, est-ce qu'il fallait les vermifugés est-ce qu'il valait leur donner des, des, des moustiquaires etc. Et donc que, que ce rôle ce, ce devait être ça. Et donc vous imaginez bien que si les économistes qui déjà se pensaient euh, plus philosophes mais physiciens, puis ingénieurs, puis maintenant plombiers, euh, leur rôle ne peut pas être de concevoir de nouveaux systèmes sociaux, de penser des rapports de force hyper larges et de penser l'arc de l'évolution du capitalisme. Euh, les, les économistes ont abdiqué ce rôle et on le voit dans les entités que revendiquent les économistes et ça laisse une chaise vide sur comment penser un bon système, y compris un bon système économique. Et toute la question, c'est qui va prendre cette place. Gramsci définit la crise comme le moment où le vieux monde résiste encore et le nouveau peine à naître. Grâce au soutien des États, le néolibéralisme résiste encore quand le mercantilisme renaît de ses cendres. Qu'il vienne de Chine ou des États-Unis, un nouveau modèle économique apparaît sous nos yeux. Un pouvoir avide de territoire à conquérir, impérialiste sur le plan économique. Est-ce que nous sommes à la fin d'une configuration historique particulière, c'est-à-dire à la fin de ce que euh, les économistes de la régulation ont appelé un régime d'accumulation Autrement dit, est-ce que nous vivons une période de crise Alors je, je, je reformule la question de cette manière, qui, qui, dont, enfin, qui, qui, qui doit être un peu déconcertante, tant la réponse semble aller de soi. Ben, évidemment, on est en crise. On n'arrête pas de parler de crise. On parle de crise tout le temps. Du reste, ça fait pas loin de 40 ans que nous sommes supposés être en crise. Alors là, il faut commencer à s'interroger, bien sûr, parce qu'une crise qui dure 40 ans, on est à la limite du cercle carré. Donc il faut, il faut commencer à se poser des questions conceptuelles. Et là encore, en faisant la différence des appréhensions de sens commun et des élaborations un peu plus analytiques. Bon, l'élaboration de sens commun de la crise, c'est quand ça va mal. Il y a une crise quand ça va mal. Par exemple, donc c'est la crise saisie comme phénoménologie ou symptomatologie. Il y a du chômage de masse. Ah, ça, c'est un signe de crise. Il y a des énormes inégalités. Enfin, un signe de crise. Ou dans d'autres époques, il y a une énorme inflation, signe de crise, etc. Est-ce que le chômage de masse est un indicateur de crise Non. Non, parce que la crise, ça n'est pas quand ça va mal, entre guillemets, parce que d'abord, quand ça va mal, ça dépend des points de vue. Il y a des gens pour qui ça va très bien, merci. La crise, c'est quand ça change. C'est-à-dire, lorsque se transforment significativement les institutions, la configuration institutionnelle, qui est en quelque sorte l'armature du régime d'accumulation. Donc, si on veut savoir s'il y a crise, posons-nous la question est-ce que ça change? vous savez ce qu'on vit à l'heure actuelle? c'est la chute du néolibéralisme. c'est la preuve que le néolibéralisme est profondément une imposture. parce que ce qui fonde le néolibéralisme, c'est la mobilité des facteurs, capital et travail. c'est le fait de dire si il n'y a pas d'activité au togo, mais qu'il y a de l'activité en France, moi, Togolais, je peux quitter le Togo pour aller travailler en France. Et quand est-ce que je m'arrête C'est quand les opportunités en France seront tellement faibles, parce qu'il y aura eu tellement de Togolais qui vont arriver en France, qu'il sera indifférent de vivre au Togo ou de vivre en France. C'est à ce moment-là... Que j'arrête le processus de migration du Togo vers la France. C'est ça le néolibéralisme, c'est le grand marché mondial avec la mobilité des facteurs capital et travail. Sauf que dans les faits, ils vous font un visa pour arriver arriver en France, le visa Schengen, avec tout ce que vous connaissez comme étant parcours par le parcours du combattant. Ok. Donc euh, on a des barrières à l'entrée qui font que la régulation néolibérale ne s'effectue jamais. Et il me semble que c'est le grand retour de l'État. J'ai l'impression, je ne suis pas le seul évidemment, que l'État, la réorganisation de l'économie par l'État, c'est quelque chose qui est devant nous et que finalement le libéralisme et l'ultralibéralisme tel qu'on a pu le connaître, il va continuer à s'appliquer dans certains pans de la société, en particulier pour le marché du travail des déqualifiés, des gens qui sont peu qualifiés ou déqualifiés, il va continuer à s'appliquer pour un certain nombre de, de marchandises, de biens et services à l'intérieur des États-nations, mais que ces États-nations vont être de plus en plus en compétition les uns avec les autres. Et que finalement la militarisation, la remilitarisation des États-nations depuis une dizaine d'années, l'explosion des budgets militaires, et en particulier l'explosion des budgets des marines euh, nationales d'un grand nombre de pays euh, dans le monde, va nous amener vers une forme de réétatisation de l'économie, c'est-à-dire une, une économie qui est de nouveau belliqueuse au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire mercantiliste au sens du XVIIe siècle, au sens où les États vont de nouveau imposer leur, euh, leurs entreprises, si possible leurs grandes entreprises monopolistiques, sur d'autres terrains d'intervention que les leurs, dans des pays moins puissants, euh, dans des zones euh, plus, euh, plus malléables, je dirais, en ne passant pas par des institutions libérales. La Chine est dans ce qu'on appelle le néo-mercantilisme. Vous savez, à l'époque mercantiliste, donc au XVIe siècle et XVIIe siècle, euh, on pense que ce qui fonde la richesse, c'est le commerce, notamment le commerce au loin, euh, l'accumulation de métaux précieux, et puis un État qui booste un peu les activités de ces commerçants, de ces entrepreneurs. Et ce qui marque le, le mercantilisme, c'est le fait d'être protectionniste à l'import. Donc on ne on laisse, on laisse pas entrer les produits étrangers, mais on est très agressif à l'export. Et on accumule la richesse de ce fait, ce qui permet de lever les armées pour faire la guerre. L'invention de l'arme à feu au XIVe siècle a créé les conditions fondamentales pour le développement mondial du capitalisme. Les colonies n'auraient jamais pu être conquises sans la suprématie militaire. Si l'on observe aujourd'hui la situation, on voit bien que la stratégie militaire gagne partout du terrain et qu'aujourd'hui on assure l'approvisionnement en matières premières par des actions militaires. On essaye de recréer des dépendances afin d'ouvrir de nouveaux marchés ou pour interdire aux autres de le faire. Par exemple, dans la lutte pour le marché pétrolier, on tente d'éliminer les nouveaux producteurs qui mettraient en danger l'hégémonie des puissants. On essaye de favoriser certains échanges commerciaux et d'interdire certains autres. Si la militarisation est une composante du capitalisme, alors oui, le capitalisme est effectivement un modèle réussi pour ces 200 dernières années. Le commerce, c'est la guerre. Et effectivement, euh, quand on voit la façon dont la marine chinoise reprend petit à petit possession d'un... D'un interland, d'une zone géographique qu'elle contrôlait au XVIIIe siècle. Les amiraux chinois, au XVIIIe siècle, ils pouvaient aller frapper très très loin, jusqu'en euh, jusqu Afrique. Euh, cette reprise de possession d'une un, zone géographique, évidemment, elle se heurte, bien sûr, euh, euh, à, aux, forces, aux forces américaines dans le Pacifique. Alors d'abord, pour l'instant, ils se heurtent euh, de manière. Euh, ils se frôlent, ils se, ils se jaugent, ils se regardent. Mais. L'aboutissement de tout cela, euh, bien sûr, ce sont des conflits multipliés, très probablement, multi conflits multipliés pour l'accès aux ressources. Parce que les ressources, elles se raréfient, comme, comme chacun sait, de plus en plus. Et par conséquent, l'accès aux ressources et l'accès au marché, en termes belliqueux, il ne peut s'exprimer, si on a des États-nations en compétition, comme je le crois, euh, de manière exacerbée dans les décennies qui viennent, que par de nouveaux conflits. We see in the dans les conflits économiques entre les États-Unis et la Chine, il y a une origine, peut-être éloignée, mais une origine quand même d'un conflit armé. En mer de Chine du Sud, la semaine dernière, il y a eu un incident entre deux navires militaires, un Chinois et un Américain. Ils ont failli se rentrer dedans, chacun accusant l'autre, bien évidemment. C'est très clairement lié. À l'émergence de la Chine qui devient un challenger. Et ça remet en question le pouvoir de domination mondiale des États-Unis. Turgot, je crois, avait donné la vérité en disant que euh, l'essence de la pratique économique, c'est de donner le moins pour avoir le plus. Une fois qu'on a énoncé en son essence la pratique économique de cette manière, il est évident qu'on a logé le conflit en son cœur, puisque chaque agent, par-de-vers soi, fait sienne la maxime, et qu'elles ne sont pas mutuellement compatibles. Voilà. Que les rapports marchands puissent être terriblement conflictuels et même violents, on le sait par exemple dans les rapports de sous-traitance, les rapports qui unissent les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Sont des rapports, particulièrement dans la configuration contemporaine du capitalisme, qui peuvent être, être d'une brutalité inouïe. Bon, l'économie est une forme, et l'économie capitaliste a plus, a plus forte raison, est une mise en forme particulière de cette conflictualité essentielle, de cette violence anthropologique. On peut en discuter des propriétés, mais la nier, ça évidemment, c'est tout à fait impossible. Or, c'est ce que fait le discours ordinaire de l'économie, qui répète marché, marché, marché. Alors que ce dont il faut partir, c'est, oui, capitalisme, rapports sociaux, conflits, subordination, etc., etc. Des raisons économiques pour les guerres. Il y en a toujours eu. Quand les gens sont désespérés, ils deviennent violents. Si l'armée industrielle de réserve devient trop importante, il n'est pas exclu qu'on connaisse des conflits. Des conflits justifiés économiquement. Pensons par exemple à l'Irlande, où les catholiques et les protestants apparemment s'opposent pour des raisons religieuses. En fait, c'est un conflit économique. En Afrique, nous avons une armée industrielle de réserve, des gens sans emploi. Qui n'ont aucune perspective pour s'employer. Ils ne peuvent qu'essayer de rejoindre l'Europe. Pensons à la bande de Gaza, où une génération entière ne sait pas quoi devenir. Elle n'a connu que la violence.

Prends un caillou.